Toute mon enfance, j'ai regardé mon père se battre. J'étais habituée au son des os qui se brisent. Mon père fut le premier à unifier le djinni et le bagua. Lorsqu'il s'entraînait au bagua, il interdisait qu'on le regarde. Il n'enseignait que le djinni, car il jugeait les 64 mains trop dangereuses. Il avait foi en moi. Il disait que j'aurais pu exceller en tout, car lorsque je choisis une voie, je m'y voue corps et âme. Si seulement j'avais été un garçon. Plus qu'une technique, mon père m'a enseigné un code d'honneur. Jamais je ne fus aussi heureuse.